Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous avez participé à la formation Évolution. Quel était le but pour vous de participer à cette formation et qu'est-ce qui vous a motivé? Je voulais d'abord m'imprégner des évolutions dans les méthodes commerciales. Ça, c'est une première chose. Et puis, c'est quand même mon rôle d'être sur le terrain et de voir ce qui se passe et de donner l'exemple, comme je l'avais fait d'ailleurs pour quand j'ai passé une VAE dont je n'avais pas besoin techniquement. Au cours de la formation, quelles ont été les connaissances transmises qui vous ont marqué? Alors, j'ai suivi la formation, donc négociation du mandat et négociation de la vente, et je dois dire que j'ai été impressionné par le fait que ces formations rentrent vraiment dans le détail. Alors, c'est un tout, c'est bien articulé, ça amène le client à signer un mandat exclusif, bien évidemment, et à acheter le bien qu'on lui présente, mais ça va vraiment dans le détail, ça répond à toutes les objections, à toutes les situations. C'est vraiment très, très efficace. Et en plus, ça s'articule vraiment très bien avec notre mandat Qualitimo, qui est notre outil traditionnel du réseau et qui permet, entre autres, de répondre aux dernières objections qui seraient des objections réelles et sincères. D'accord, très bien. Y a-t-il eu des moments de découverte ou de prise de conscience significative pour vous? Oui, je le savais déjà, mais je peux vraiment témoigner qu'on a un animateur et un formateur qui sont au top, extrêmement compétents et efficaces et avec beaucoup d'enthousiasme. Ça, c'est génial. Très bien. Et en tant que fondateur du réseau, comment la formation Évolution a-t-elle influencé votre vision de l'avenir du réseau? Très favorablement. En fait, si on applique cette méthode, on ne peut que faire plus d'estimations, plus d'exclusivité, plus de ventes, donc plus de chiffre d'affaires. Donc c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour ce qui est bon pour chacun et bon pour le réseau, bien évidemment. Quel message souhaiteriez-vous transmettre aux agents du réseau qui hésitent encore à s'inscrire à la formation? Bien évidemment. Bien évidemment d'y venir, de l'appliquer. Et non seulement on devient beaucoup plus professionnel, mais en maîtrisant toutes ces étapes, ça permet de faire ce métier vraiment avec le sourire et avec beaucoup de plaisir. Et ça, c'est vraiment important. Et quel bénéfice personnel et professionnel pensez-vous qu'il pourrait tirer de cette formation? De toute façon, un des slogans du réseau, un slogan interne c'est, pour les formations, c'est celui qui renonce à devenir meilleur cesse déjà d'être bon. C'est important de se former de manière initiale et continue. Parce que même quand on est bien formé au départ, après, il peut y avoir des dérives, on peut oublier certaines choses, pratiquer un peu différemment sur le terrain, et de temps en temps, c'est bon de se replonger dans la théorie, dans les bonnes méthodes, pour être bien plus efficace. Avez-vous une dernière chose à ajouter pour la fin? Oui, je dois dire que ce qui est enseigné dans cette formation permet de vraiment valoriser notre mandat Qualitimo, qui est encore une fois qui est notre outil traditionnel. Et si on applique cette méthode avec Qualitimo et aussi sans oublier Qualitimo Premium pour ceux qui n'auraient pas un fichier AMEPI chez eux, il ne faut pas s'en priver. Très bien Jean-Claude, merci pour ces réponses précises. Merci aussi à vous de nous avoir écoutés et on se dit à très bientôt.